En Ile-de-France pour la manif pour tous en novembre, puis les contacts avec le Parlement pour la manif pour tous, les invitations aux élus, le lobbying à partir de décembre, puis aujourd'hui je suis très engagé pour les veilleurs, ce mouvement qui prend naissance en France pour la vérité, pour la beauté, pour la culture, contre la théorie du genre et contre le mariage homosexuel et qui va durer plusieurs mois, peut-être quelques années. Mon engagement est multiforme, il prend plein de voies différentes, et donc du militantisme internet, de l'activisme sur le terrain, toute forme possible, créer des rencontres, créer des réseaux, créer des actions, et puis constamment sur internet rédiger des articles également de fond, intellectuels, parce qu'il faut la forme. Et il faut le fond aussi, donc on travaille aussi intellectuellement à contrer tout ce qui se passe en ce moment. Suite au conseil d'Alexandre et de l'IFP, j'ai entrepris et ça a fonctionné. Les médias ont bien répondu. J'ai eu la chance d'être reçu par Bourdin sur RMC, de passer sur LCI, d'avoir une page dans Le Parisien et dans divers titres de presse ou de radio locale. J'ai eu aussi l'occasion d'être reçu par l'ancien président Sarkozy pour lui expliquer ma démarche. Je l'ai remis en main propre à François Bayrou, Alain Madelin, Arnaud Montebourg et récemment Marine Le Pen. Et aujourd'hui, ça permet en tout cas de développer une crédibilité, une expertise sur le sujet, d'être le libéral de service sur le Made in France. Fait pour militer depuis des années déjà sur internet, et je pense surtout que c'est fondamental aujourd'hui parce qu'on fait beaucoup d'actions qu'on ne relaie pas, qu'on ne communique pas. Et quel est l'intérêt derrière? Il y a seulement les gens qui font l'action qui voient ce qui est fait, alors qu'il faut qu'on puisse parler à tous les Français, faire le travail que les médias font. Clairement, la chance qu'on a, à mon sens, c'est que les partis politiques n'ont pas tout suivi, et du coup, très peu suivi plutôt, et du coup, les Français se reprennent en main, il y a un retour à la société civile, et il faut en profiter pour s'organiser nous-mêmes sur le long terme, pour imposer aux partis nos idées et nos valeurs, plutôt que de voter pour eux et d'être déçus quelques mois, quelques années après.